Il y a des questions qu'il ne faut surtout pas poser, par exemple celle-là, Joe Biden est-il sénile ? Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Juste Milieu. J'espère que vous êtes en grande forme. Pour soutenir l'aventure, vous le savez, je vous le demande, un petit clic, vous êtes bientôt 270 000. On est sur une dynamique absolument maboule, comme on dit, dans quelques coins de ce globe. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Juste Milieu ou alors à mettre un pouce et ou à mettre un pouce à cette vidéo, naturellement, parce que sinon ce serait déplacé. Petit instant prévention avant de commencer cette vidéo. Si vous êtes venu dans l'esprit de dire « Bon, tu critiques Joe Biden, donc forcément tu es un soutien de Trump », je sais que ça se fait pas dans le monde de YouTube, mais le mieux c'est peut-être que vous arrêtiez cette vidéo. Hein, non, parce que ça veut rien dire en fait. Tu peux critiquer Joe Biden, juste critiquer Joe Biden, ça s'arrête là, tu vois. Ouais, c'est pas parce que tu regardes un film porno que t'es monté comme un taureau. Je sais de quoi je parle. You're fired. La petite parenthèse, n'hésitez pas au fait à vous inscrire à la newsletter. Juste Milieu, c'est là où se retrouvent les fans, les plus gros, juste fans de la planète. Je vous envoie du contenu en exclusivité, des petites vidéos privées, des petites infos, des mails toutes les semaines. Pas de pub, attention, c'est que moi qui est derrière, pas se mentir. C'est pas mal de plaisir, donc n'hésitez pas. Voilà, donc lien d'inscription dans la vidéo, c'est gratos, ça mange pas de pain, voilà. Alors, pour tenter de traiter ce sujet, hein, Joe Biden est-il sénile ? On va remonter un petit peu l'histoire, parce que c'est vrai que depuis qu'il a fait s'effondrer le dictateur néo-fasciste Donald Trump, qui devait faire exploser les États-Unis, Joe Biden a été perçu un petit peu comme le sauveur. Elle me dit être pleine d'espoir et elle attend avec impatience de voir les grands changements qui vont prendre place ici en Amérique. Hein, celui à qui on pouvait pardonner pas mal de choses dans la mesure où il avait mis fin au règne de Donald Trump Ier. Bah, c'est vrai que très vite, on a commencé à se dire « Bon, c'est pas une Batavia, le mec, mais il est plus de première fraîcheur. » Ne me demandez pas pourquoi je suis vegan. Et pour commencer cette vidéo, je voulais faire un petit parallèle, parce que vous connaissez la guinguette, on va faire une petite introduction un petit peu maligne, c'est mon côté Mbappé, gauche-droite-gauche, l'appui est vif. Le football, il a changé. Pourquoi j'ai envie de vous parler de Vladimir Poutine ? Oui, parce que les médias, bon, ils sont très très forts. Tu l'auras compris, beaucoup de médias, certains médias en tout cas, ne mettons pas tout le monde dans le même sac, beaucoup de médias sont habitués, si tu veux, à faire le bilan de santé des gens. Par exemple, Vladimir Poutine, qui a 69 ans, on a régulièrement des articles qui nous disent qu'il va crever. Regarde, je t'ai fait une petite liste. L'Indépendant, 18 juillet 2022, il se serait empoisonné tout seul en prenant des stéroïdes. Paris Match, le 9 juin 2022, rumeur ou tumeur. En plus, on fait des vannes sur le cancer. Ouais, ben ouais, parce que comme c'est le méchant, de toute façon, le mieux, c'est qu'il crève dans d'atroces souffrances. LFM, ça c'est un média suisse, le 3 juin 2022, qui nous dit c'est bientôt la fin. En plus, d'après ses proches. La Dépêche, le 20 mai 2022, qui nous parle là d'un cancer du sang. Ah merde. Bon, alors attention, t'imagines bien que ça se fait dans un contexte de guerre où forcément il y a une propagande un peu de tous les côtés et on a tout intérêt à faire croire que la guerre est bientôt finie et que le grand méchant va mourir. Mais bon, j'ai trouvé des articles, tu sais, j'ai fouillé, j'ai mis mes lunettes d'inspecteur. Paris Match, 17 novembre 2014, ouais, il nous disait « fatigué, malade imaginaire ou cancéreux ». Ouais, là, c'est Uno, t'as un 2, un 7 et un 9. Le Figaro, également, 6 février 2015, là, on nous apprenait qu'il souffrirait d'une forme d'autisme. Donc, pourquoi je te dis ça ? Tu l'as bien compris, c'est une dynamique de propagande assez simple. On essaie de faire croire que le camp d'en face se porte mal, se porte pas bien, est en difficulté, et que on va bientôt pouvoir lui péter la gueule. On a vu ça en 14-18, on a vu ça dans la Seconde Guerre mondiale. On voit cette dynamique dans beaucoup de conflits, et même en temps de paix, relative, on voit ça dans les médias où le camp de l'adversaire est souvent présenté comme plus faible, maladif et tout ça. À partir de maintenant, on va rigoler. Over here, thank you. Oui, parce que t'imagines bien que si les médias ont la capacité à faire des diagnostics de santé sur une info bidon, moi je les crois. Moi, parfois je dubite, mais cela c'est les médias, donc je discute pas. Donc c'est pour ça, moi je te donne un peu des éléments, mais les médias ont dit que Joe Biden, il était en pleine forme. Il a 79 ans, soit 10 de plus que Poutine, mais à la rigueur, on s'en cire. Mais voilà, je te donne des séquences, mais il est en pleine forme. Tu trouveras pas d'articles qui vont te dire Joe Biden, c'est chaud, malgré tout ce que tu vas voir.
C'est vrai que Joe Biden est dépeint depuis longtemps comme une machine à gaffe. Par exemple, je vous liste hein, vraiment pêle-mêle les séquences. Août 2016, il y a Hillary Clinton qui débarque. Il ne veut plus la lâcher. Regarde. And going, Joe Biden wouldn't let Hillary go as they met on the tarmac at Scranton Airport. Nothing to see here, right? Wrong, because the vice president wouldn't unhand Hillary for almost 16 seconds. Oui, c'est gênant. J'en vois qui sont en train de vomir, mais prenez une bassine parce que ça va être long. Avril 2019, je mets la barre tout de suite en altitude pour que tu comprennes un petit peu le bonhomme. Avril 2019, il fait des blagues sur scène. Bon, jusque-là, tu te dis, Rémi, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Et je te dis oui, sauf que ces blagues sont dirigées sur les enfants. Ouais, c'est gênant. Là, c'est très, 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 très gênant. By the way, he gave me permission to touch him. 18 juin 2019, vous en aviez peut-être entendu parler, Joe Biden évoque dans la presse la courtoisie des échanges qu'il a pu avoir par le passé avec un sénateur ségrégationniste. Alors ségrégationniste, pour te donner une idée, quand tu vois des militants antiracistes qui sont énervés parce qu'il n'y a pas de pansement de couleur noire dans les pharmacies, tu les mets face à un ségrégationniste, ils explosent en fait, au contact de la personne. Là, on peut commencer doucement à parler de racisme. Et Joe Biden, lui, il dit « c'était courtois ». Et puis, de manière récurrente, on a plusieurs séquences, hein, vraiment, à travers les années, où il y a des gestes quand même déplacés vis-à-vis des femmes, des jeunes femmes, des enfants. Then rearranges some more. There's nothing pervy here. The VP knows he's on camera at these swearing-in ceremonies and the parents are right. C'est emmerdant. Je t'ai mis quelques petites séquences. Il y a des holkers qui se profilent à l'horizon. For your patience. You're getting too old. You're getting too old and too lovely. Now, are you getting in this picture? Mom, you're getting in this. Come on, Dad. Mais bon, tu te dis, tu vois, bon, la période présidentielle approche, en plus, il faut faire tomber Donald Trump, donc par effet de contraste, il va forcément passer pour le gentil, on va pouvoir lui pardonner pas mal de choses, comme je te disais au début de la vidéo, mais quand même, parce que là, c'est la haute du Père Noël. Je sais plus par où je dois sortir. 4 mars 2020, en plein discours de campagne, il confond sa femme et sa sœur. Non, c'est vrai, regarde. This is my little sister Valerie, and I'm Jill's husband. Oh no, this is you switched on me. 19 mars 2021, il a été élu président, il va pour monter dans l'avion présidentiel. Air Force One, qui veut dire la force 1 de l'air, il se pète la gueule. Ouais, c'est gênant. Aussi. Le 26 juillet 2021, alors là on commence à entrer en contact avec le paranormal, il est en plein discours de remerciement pour un élu américain, il se met à chercher sa mère. Ouais, et on lui dit, elle est devant la télé. Petit hic, elle est morte quelques années plus tôt. Ouais, je suis sérieux. Second, by the way, where's mom? Mom, is she here? Oh, she's watching. Okay, I thought she looked, I said, mom is out there. I was going to ask her to stand up, but mom, you can't stand up if you're home. 2 novembre 2021, c'est le sommet de la COP26. Donc là, tu imagines bien, il y a Greta Thunberg, donc tout le monde est aux aguets. Il s'endort, Joe Biden, ouais. La tuile. Minds of generations to come, you are in a position of extraordinary power. You can change forever the trajectory we are on. You. 25 janvier 2022, un journaliste a l'outrecuidance de poser une question un petit peu emmerdante. Joe Biden l'insulte en pensant que son micro est éteint. That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a bitch. Bon, alors forcément, petite parenthèse avant de repartir sur d'autres pépites, tu sais, en France, la question se pose pas. T'as aucun média qui dit « Bon, Joe Biden, 79 baloches, quand même, on voit bien qu'il y a un truc qui commence à clocher. » En France, personne ne se pose cette question, pour la simple et bonne raison que si tu la poses, ça veut dire que tu soutiens Trump. Tu vois, c'est aussi ce que je te disais. On est sur les raccourcis mentaux d'une palourde, en vérité. Parce que tu peux critiquer Biden en considérant que Trump est un abruti. Tu vois, voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Mais aux États-Unis, ils sont plus chauds que nous. À mon avis, aux États-Unis, tu vois, tu as eu un sondage le 28 février 2022. 54% des Américains pensent que leur président n'a pas les capacités mentales pour faire le job. En même temps, en France, si on commence à se poser la question sur Biden, faudrait pas qu'on se la pose aussi pour d'autres présidents de la République.
ça m'en pousse une sans bouger l'autre. 2 mars 2022, le conflit a éclaté entre la Russie et l'Ukraine. Joe Biden, en plein discours, confond le peuple ukrainien et le peuple iranien. But he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. He'll never extinguish their love of freedom. 17 mars 2022, dans une logique, on l'imagine, d'apaisement géopolitique, Joe Biden qualifie Vladimir Poutine de tueur. You think he's a killer? Mm-hmm. I do. So what price must he pay? The price he's going to pay, well, you'll see shortly. 26 mars 2022, on a un joli combo. Joe Biden est en déplacement du côté de Varsovie, en Pologne. Il va faire une autre comparaison vis-à-vis de Vladimir Poutine. C'est toujours pas très sympatoche quand même. Il le compare à un boucher. He's a butcher. Cet homme est un boucher. Et puis, dans la foulée de son déplacement, toujours en Pologne, il fait un discours au château royal de Varsovie. Et là, il va avoir une phrase... On a déclenché des guerres pour moins que ça. Il va dire, pour la grâce de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir. Pour la grâce de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir. Alors là, forcément, en termes de géopolitique, tu files le bouton nucléaire à Marlène Schiappa. Donc, elle s'assoit dessus en buvant un cidre. Donc, tu sais, c'est dangereux. Donc, dans la foulée de cette déclaration de Joe Biden, la Maison-Blanche elle-même, les membres de l'encadrement de Joe Biden vont devoir contredire les propos du président américain en disant qu'en fait, il voulait dire que Poutine, je cite, « ne peut pas être autorisé à exercer le pouvoir sur ses voisins ». Et il précise, Joe Biden ne parlait pas du pouvoir de Poutine en Russie, ni d'un changement de régime. Non. Il n'a pas dit ce que tout le monde a entendu, voilà. C'est cela, oui. 15 avril 2022, on retourne du côté du paranormal. Là, il serre la main d'un fantôme. Merci. 10 juillet 2022, on se rapproche. Là, Joe Biden fait un discours, il est en train de lire son prompteur, jusque-là, ça va. Sauf qu'il ne se rend même pas compte qu'il lit les consignes de son prompteur. Fin de la phrase, répétez la phrase, regarde. It is noteworthy that the percentage of women who registered to vote and cast a ballot is consistently higher than the percentage of the men who do so. End of quote. Repeat the line. Alors, à noter quand même sur cette séquence que je te remets ici, c'est l'absence totale de réaction de Kamala Harris, la vice-présidente, qui ne moufte pas. Hein, tu sens que, de toute façon, elle se dit, de toute façon, l'autre, il est aussi mobile qu'un poisson pané surgelé, elle est rodée, ça ne la choque même plus. Joli combo le 13 juillet 2022, Joe Biden est en déplacement du côté d'Israël, et là, il fait un discours et il fait une référence à l'honneur de l'Holocauste, avant de se reprendre, mais quand même la tuile. To keep alive the truth and honor of the Holocaust, horror of the Holocaust, honor those we lost. Encore un petit serrage de main à un fantôme. Toda l'insia medina ve... Thank you. Et puis Joe Biden va faire une conférence de presse, et là, bon, même si on peut imaginer que c'est l'usage, l'idée c'est quand même ça que ça se voit pas, il a une liste avec les journalistes qui vont intervenir, alors que c'est censé être au hasard. Voilà. Sure. I give a list here. Steve Holland of Reuters. Donc, alors attention quand même, quand je te dis que beaucoup de médias en France ne se posent même pas la question, il faut reconnaître par honnêteté intellectuelle qu'il y en a quand même certains qui ont levé le couvercle en disant, bon... C'est trop gros, ça se voit, et notamment une chronique qui était passée sur Europe 1 le 28 mars 2022, où on soulève quand même un petit peu la question. Alors, on connaît la réputation de Joe Biden, une machine à gaffes, et ça s'aggrave, 79 ans, 2 AVC, beaucoup de stress, il y a des absences, on compatit. Et puis sinon, autre pépite, ça pareil, pendant un discours, c'était avant les dernières présidentielles américaines, sa femme est en train de parler, regarde ce que fait Joe Biden. Of the United States. Alors, je te dis tout ça, et je sais qu'il y en a certains en commentaire qui vont me dire « Oui, mais l'affaire de son fils Hunter Biden, qui serait accusé de consommation de drogue, de prostitution, d'inceste, de détournement de mineurs... » Oui, attention, je peux pas tout mettre dans une vidéo, calme-toi, j'ai pas envie que ma chaîne ferme demain. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc tout le monde garde son sang-froid. En attendant, pourquoi je voulais absolument vous parler de ça, Joe Biden est-il sénile? Je vous montre les séquences, après vous tirez la conclusion que vous voulez, mais c'est quand même, pour mettre en avant un petit point de réflexion et pour finir là-dessus, le narratif du monde dans lequel nous vivons, où on voit bien que si un Donald Trump, un Viktor Orban, une Marine Le Pen, admettons, avaient présenté les mêmes signaux de faiblesse à la fois intellectuelle et physique, nul doute que les médias se seraient jetés dessus pour dire, mais c'est
cette personne ne peut plus gouverner, cette personne n'a plus les capacités. On voit bien que les critiques qui sont faites hein, contre Joe Biden, et notamment aux États-Unis, à chaque fois que quelqu'un émet une critique, qu'il ait un lien ou pas avec Donald Trump, qu'il soutienne ou pas le Parti républicain, eh ben forcément, il se fait tomber dessus. Et on en vient à cette fameuse époque de la post-vérité, où finalement, les émotions, les idéologies comptent plus que les faits. Donc, à partir du moment où vous relevez un fait, c'est que derrière, on va vous juger forcément sur l'idéologie que ça prétend défendre, ou sur les émotions, ou sur des choses comme ça, mais le réel n'a plus lieu d'être. Donc voilà, chers amis, petite vidéo, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à réagir en commentaire. Êtes-vous grognon ou pas grognon, vous dites. Ou alors, moi, ce que je vous propose, vous pouvez découvrir les autres vidéos juste au milieu. C'est pas mal de plaisir et pas mal de panache. Ou alors, vous vous abonnez. Et puis, moi, je retourne serrer la main à des fantômes. America is a nation that can be defined in a single word. I was going to put him...